Moi, roi de Centopia, je te décerne cette récompense, le diamant officiel des gardiennes de licorne. Ouais 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 oh, merci beaucoup, Mo. Enfin, roi, Mo. Waouh, il est réellement magnifique. Mais depuis combien de temps ce prix existe-t-il? Eh bien, depuis aujourd'hui. Je viens de l'inventer. Les amis, je suis désolée d'interrompre cette cérémonie, mais nous avons un éclat de cristal à trouver. Oui, bien sûr. Alors, quel est l'oracle? Là où se trouve la source de l'arc-en-ciel, vous serez éblouis et trouverez l'essentiel. Là où est la source de l'arc-en-ciel? Cela ne peut être que... L'île arc-en-ciel! Oui, Anchao. Nous allons rendre visite à ton ami Flair. Alors, qu'est-ce qu'on attend, mes amis? Allons-y! Oh, ne t'en fais pas, Kiara. Nous reviendrons bientôt. Votre plan ingénieux? Fabriquer une fausse licorne rose en espérant pouvoir l'échanger contre une réelle? C'est la méthode œuf de coucou, maître. Une vieille tactique de diversion. C'est stupide, comme toutes les autres idées sortant de son cerveau atrophié. Ah oui, vraiment, Gargona. Alors, de ton côté, que proposes-tu pour mener à bien cette opération? Explique-moi. Pour? C'est que... Je n'ai pas encore de plan, ni de tactique, ou encore d'idée. Enfin, je veux dire que... Ça suffit, vous n'êtes que deux incapables. Bons à rien, idiots et incompétents. Peut-être cette vermine vous suggérera-t-elle un plan. Bien reçu. Non, elle n'a pas de plan. Oh. Mais j'apprends que le poulain rose vient de quitter le cratère des elfes. Alors, j'en ai un. Dans ce cas, qu'attendez-vous? Rapportez-moi au plus vite cette corne d'or! Oui, maître! L'île Arc-en-Ciel! C'est de loin l'endroit le plus mystique et secret de tout Centopia! J'ai tellement hâte d'y retourner!